15 jours simplement que je ne suis pas revenu, peut-être 3 semaines. La végétation a absolument tout envahi. Je repense à la vie de Gibault qui a débuté comme un roman, fait prisonnier à Dunkerque, envoyé en représailles en Prusse orientale au Stalag 11B pour refus d'obéissance, rapatrié en novembre 1941 comme faux ancien combattant de 14-18. Yves Gibault ne quittera plus son village de Roussy, mais il acceptera enfin de réécrire. Dans Mourir idiot, chronique d'une mort annoncée, paru en 1988, Gibault se glissera dans la veste de son héros, ou plutôt de son anti-héros. Ils commençaient à rigoler, les gens. J'étais toujours là, pas très jovial d'allure, la peau et les os, mais vivant. Ils me voyaient aller chez l'épicière, ou en revenir, avec mon cabas en papier réclame et ma laitue, ou faire les 100 pas devant la baraque d'un mur à l'autre, pour mes jambes qui se refroidissaient, même les jours de canicule. Ceux qui me lorgnaient dans ma cour de prison, je savais ce qu'ils pensaient. Je savais ce qui les démangeait de me crier. Ce voyage dans les collections qui se meurent, mémoire douloureuse, durera jusque la vente de la maison. C'est fait. Sa fille vient de m'appeler. La maison va être vendue. Je n'y viendrai plus. Allons enfants du presbytère, en grand bonhomme, il faut marcher. Car si la guerre, c'est vraiment la guerre, avec les gros sous, il faut marcher.